On avait décidé de se concentrer énormément sur nous, sur cette rencontre. On a une échéance importante vendredi soir à Bourg-en-Bresse. Poitiers, avec les moyens qui sont les leurs ce soir, ont quand même offert une belle résistance. Et on voulait rester, nous, dans nos standards défensifs. Donc on est monté haut en pression défensive. On est resté en homme à homme tout le match. Voilà, les garçons ont été sérieux. Je regarde l'équilibre aussi des temps de jeu. C'était important pour nous de faire souffler nos joueurs cadres. Et on a pu donner du temps de jeu à nos jeunes, Egalenk et Stéphane Gauthier. Et ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement la surprise générale pour le moment, on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà, tout le mérite en revient aux joueurs parce qu'on sait par quoi on passe quotidiennement. Un gros travail. Il faut aussi souligner l'apport du staff cette année puisqu'on a pu maintenir notre kiné aussi permanent. L'apport de Ollo qui est préparateur physique aussi cette année à plein temps nous permet d'éviter de grosses blessures. Donc on va toucher du bois. Mais Dieu sait que ce championnat, il suffit de regarder la densité à cet instant de la saison. On est à deux matchs de la seconde place, on est à 3-4 matchs de l'avant-dernière place. On sait qu'on a été repêché à l'intersaison, mais en tout cas, cette année, je pense qu'on fait honneur au championnat de Jeep Elite. Et voilà, et en tout cas, je tiens à féliciter mes joueurs pour leur implication.